Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Alors aujourd'hui, nous recevons Francis Cousin. Bonjour Francis. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous accueillir. On se Moi connaît aussi. depuis quelques années. Je passais vous voir à l'époque quand vous étiez à Paris au cabinet. Nous avions de belles discussions et j'aimerais justement prolonger ce type de discussion sur cette vidéo. Donc quelque chose d'assez naturel, hein, et spontané, sans préparer quoi que ce soit, si ce n'est quelques livres dont j'aimerais vous interroger, sur lesquels j'aimerais vous interroger, pardon. Petit propos avant, ceux qui peuvent m'aider à travers mon Tipeee sont les bienvenus. Vous avez déjà été assez nombreux à m'aider, c'est utile et puis c'est toujours réconfortant. Donc, cela se trouve dans la description sous la vidéo. Fin de propos, allons-y Francis. Alors, je voulais parler, bon, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas d'ailleurs, c'est vos livres. Vous aviez écrit 4 livres, on est d'accord, à moins qu'il y en ait un caché qui n'est pas réédité ou qui a disparu Ah, du y a viseur. plein de textes qui ne sont pas signés, qui circulent à droite ou gauche depuis des années sur Internet ou dans différents trucs qui sont des textes anonymes. Mais bon, on en reparlera peut-être plus tard. Qu'est-ce qu'une signature? Qu'est-ce qu'un tampon anonyme Vous aviez l'international, justement. Alors, l'international, je voulais vous poser la question, est-ce que c'est vous en totalité ou c'était un texte collectif? Alors, c'était un texte collectif au niveau de l'ébullition. Et c'était un texte qui, tout en étant collectif au niveau de l'ébullition, était davantage formalisé par moi, par l'écriture, en synthèse. Mais c'est une production collective. Par contre, dans sa forme d'exposition terminale, j'ai une part plus ou moins prépondérante. Alors, vous partiez de Marx, hein, sur la société d'indistinction, il me semble. Alors, on partait de Marx et on partait surtout du mouvement réel. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils se posent la question du savoir, quand ils se posent la question de la connaissance et de l'histoire, ils partent d'eux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut pour comprendre la vie? Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre l'histoire? Alors, je secoue mon cerveau, puis je vais aller agripper l'histoire. Ça ne marche pas comme ça. Les expériences les plus riches, les expériences les plus fécondes sont anonymes et impersonnelles. C'est-à-dire que plus je suis en situation de comprendre l'histoire des grandes trajectoires, plus je suis en retrait et en humilité, parce que c'est l'histoire qui vient frapper à ma porte dans le tumulte social de toutes ces insurrections paysannes et ouvrières que je reçois. Toute l'histoire du socialisme du 19e siècle est faite de pathologies constructivistes où des Proudhons, des considérants veulent créer des systèmes d'émancipation. Ils veulent créer des systèmes d'émancipation. C'est-à-dire qu'ils partent de leur cerveau pour agripper l'histoire. Marx, c'est l'inverse. Marx dit « je ne découvre rien, je n'invente rien, avec humilité, je reçois la quintessence du mouvement réel » et je la formalise. Donc, pourquoi Marx est si riche alors qu'il est cité, mais inconnu? Plein de gens citent Marx, mais ne l'ont jamais lu ou l'ont à peine feuilleté. Marx est riche contre le bolchevisme, contre la social-démocratie, contre la gauche de la marchandise, parce que Marx est ce ferment de radicalité et de puissance qui dit « je n'ai rien à dire ». Je formalise les luttes de classe du prolétariat. Et quelque part, dans cette trajectoire de tous ces groupes maximalistes ouvriers des années 30, des années 40, des années 50, des années 60, je poursuis la même transmission. Francis Cousin n'a rien à dire. Francis Cousin n'a rien à inventer. Je ne suis intéressant que pour autant que je retransmets cet héritage qu'on m'a transmis. Mais les gens qui veulent croire qu'ils ont des choses essentielles à dire, surtout au XXe siècle, se trompent. Tout a été dit. Tout a été dit. Donc, avec humilité, avec puissance et modestie, transmettons la Commune de Paris, la Commune de Kronstadt, la révolution ouvrière anti-bolchévique de 1917, la grève sauvage avec Barcelone 37, c'est-à-dire que contre tous les partis, contre tous les rackets, contre tous les narcisses, contre tous les doctes direction qui veulent nous dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui savent et qu'il faut construire des appareils.
contre les commandements, contre la chefferie, retrouvons l'automouvement du mouvement réel. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez que vous n'avez rien à dire en tant que sujet narcissique dans le spectacle de la marchandise, parce que tout ce qui se dit à partir de « je » est nul. Quand « je » parle, c'est nul. Ça devient intéressant quand c'est « nous ». Et ça devient très intéressant quand c'est « nous » avec modestie pour recevoir l'expérience historique. Moi, j'ai compris que je devenais riche quand j'étais capable de me fondre dans une unité supérieure qui me donnait ma dimension radicale parce que je n'avais plus besoin de signer par des paragraphes narcissiques. Le paragraphe narcissique dit l'imposture. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tout est là. Et quand Marx dit « je n'ai rien découvert, je n'ai rien inventé, je ne fais que transmettre la radicalité ouvrière, communiste, contre l'État, contre l'argent », il est aux antipodes de Blanqui, de Proudhon, de Considérant, de tous ces gens-là qui avaient besoin de créer des systèmes dans leur tête narcissique. Ces gens-là ont créé des systèmes dans leur tête narcissique qui n'étaient finalement que le système qui se recomposait de manière réformiste en conservant le salariat, l'État, la marchandise, l'oppression, l'aliénation. Pourquoi Marx a été si loin? Parce que précisément avec humilité, il n'a aucune prétention à dire « je », il formalise le « nous ». Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, on en reparlera peut-être sur la crise contemporaine, la décomposition financière, la décomposition bancaire, le mensonge du coronavirus. La seule personne qui a théorisé ça dans les Grundrisse, c'est le capital, c'est Marx. La crise du coronavirus, le grand mensonge de la crise mondiale actuelle. Il n'y a que Marx qui l'a vu, parce que précisément, il a positionné la radicalité de ces groupes ouvriers à l'époque dans leur richesse, dans leur profondeur et dans les subversions. Et si vous lisez les Grundrisse et si vous lisez le Capital, vous avez la crise des taux d'intérêt négatifs, vous avez la crise du coronavirus, vous avez la crise de toute l'imposture mondialiste de la marchandise. Et non pas parce que Marx est un devin, parce que ce serait un alchimiste spécifique, mais parce qu'avec humilité, avec méthodologie, il a compris dans ces groupes radicaux ouvriers toutes les lois historiques qui produisaient la composition du capital, la décomposition du capital et le temps contemporain. Donc, il n'y a rien de neuf. C'est-à-dire que depuis Guy Debord, depuis Pierre Guillaume, depuis la vieille taupe, depuis les groupes ouvriers des années 70, il n'y a plus rien. Et comme les gens ne connaissent pas ça, ils sont paumés. Et donc, ils font du bricolage. Un peu de Spinoza, un peu d'Aristote, un peu de Platon, un peu de Maurras, un peu de Georges Sorel. Puis on bricole et puis on arrive avec son mécano, on fait une synthèse pure et bouillie. Et au lieu de dire « à bas la politique, à bas l'économie », tout le monde vient en tant que VRP, on va vous changer l'économie, on va vous changer la politique et on vous propose une nouvelle recette de politique nouvelle et d'économie nouvelle. Mais tout ça est mort depuis très longtemps parce que justement, grâce à Marx et aux groupes ouvriers radicaux qui ont surgi après la Commune de Paris, nous savons que la perspective, ce n'est pas une nouvelle politique, une nouvelle économie, c'est à bas la politique, à bas l'économie, émancipation contre le mondialisme de la marchandise, surgissement de la communauté humaine radicale. Alors, il y aurait deux définitions pour nos auditeurs, bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. On va parler du fétichisme de la marchandise et de la radicalité. Comment on pourrait définir cela simplement pour quelqu'un qui va mettre les pieds un petit peu dedans dans cette... Non, si vous voulez, simplement, Marx, et ça ne sort pas de sa tête, ça sort de toute cette expérience historique, c'est-à-dire que la révolution néolithique a fait production à un moment donné de cette gigantesque aliénation économique, sociale et politique qui a dépossédé les hommes d'eux-mêmes. Et il est bien évident qu'entre la révolution néolithique et Wall Street, il y a eu des modifications gigantesques. Wall Street est contenue dans la révolution néolithique, mais la révolution néolithique n'est pas Wall Street. Il va y avoir des siècles d'aliénation qui vont se généraliser dans le mouvement d'ascension de la valeur d'échange,
révolution capitaliste des cités médiévales italiennes du XIIIe siècle, révolution anglaise, Henri VIII, Élisabeth, Cromwell, Amsterdam, bousculement, guerre de 30 ans, émergence de la révolution capitaliste de 1789, tout ça est un temps long. Mais entre la révolution néolithique et Wall Street, se met en marche ce que Marx va appeler le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire l'inversion totalitaire de toutes les significations. Donc, à un moment donné, la valeur d'échange, les manuscrits de 44, les Grundrisse, tout s'inverse. Et c'est ce que je positionnais dans la critique de la société de l'indistinction. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, tout s'inverse et tout se positionne en indiction. Aujourd'hui, les gens découvrent la PMA, la GPA, les transgenres, cette planète bizarroïde. Mais cette planète bizarroïde, elle est posée par le développement pathologique de la valeur d'échange dans la révolution néolithique. Il ne va pas y avoir la PMA et les transgenres dans la révolution néolithique. C'est un gigantesque enfantement aliénatoire qui va mettre des siècles et des siècles pour tuer les communautés traditionnelles, pour progressivement absorber la naturalité humaine dans l'absorption mécanique, robotique de la valeur d'échange, et progressivement, on aboutit à l'horaire actuel. Moi, je me rappelle de mes vacances chez mes grands-parents quand j'étais tout petit. La France a plus changé en 60 ans qu'en 10 siècles. C'est ce que Marx appelle le temps précipité. La réalisation totalitaire de la valeur d'échange qui prend le pouvoir sur le monde en 1914, elle accélère le temps précipité de l'aliénation du capital. Les gens qui vivent en 1900, ils sont très proches des gens qui vivaient en 1750. Mais les gens qui vivent en 1900, ils n'ont plus rien à voir avec les gens qui vivent en 2020. Si nos grands-parents revenaient et assistaient au théâtre narcissique de la puanteur capitaliste moderne, non seulement alors il rigolerait ou il pleurerait, mais il reconnaîtrait rien. Je pense qu'il pleurerait plutôt. Oui, il pleurerait. Mais donc, si vous voulez, tout ça résulte d'un processus historique qui est celui de l'indistinction, du renversement, et c'est ce que Marx, dans la première section du Capital, a positionné sur le fétichisme de la marchandise. Marx a positionné la cybernétique du Capital. Marx a positionné le mondialisme de la marchandise. Marx a positionné la GPA et la PMA. Il a positionné toutes les horreurs contemporaines, mais il les a positionnées parce que ces horreurs contemporaines expriment la logique de la rationalité aliénatoire du temps de la marchandise. Donc, le fétichisme de la marchandise a tout renversé. Il nous a dressés pour que nous acceptions que le vrai soit le faux, et que le faux soit le vrai. C'est la totale inversion. Guy Debord. Guy Debord qui ne fait que reprendre, Marx. Qui ne fait que reprendre cette première section, où il y a d'ailleurs le grand remplacement. Parce qu'aujourd'hui, les gens découvrent le grand remplacement. Mais le grand remplacement, quel est le premier auteur qui a parlé d'un grand remplacement? C'est Charles Marx, dans le livre 1 du Capital, 7e section, chapitre 25, le mot « remplacer », la création d'une armée infinie de surnuméraires qui va venir casser la lutte de classe pour produire une humanité réifiée. Et alors, en 1868, il prend l'exemple américain, il dit, alors c'est, vous savez, c'est Lucky Luke, le Chinois qui vient travailler sur le réseau ferré. Marx dit « on va remplacer un Yankee par trois Chinois ». Mais il a cette illumination parce qu'il est dans ces groupes radicaux qui voit aux États-Unis les Irlandais, les Anglais, tous les conflits, et il anticipe ce que le patronat va nous imposer après 68, après la grande grève sauvage de 68, qui a positionné la commune radicale contre le gauchisme de la marchandise, parce qu'il y a deux mai 68. Il y a le mai 68 de l'esprit pourri du gauchisme de la marchandise, Cohn-Bendit Attali. Et puis, il y a l'esprit radical de la grève sauvage qui veut abolir l'État, abolir l'argent. C'est comme il est interdit d'interdire. L'ouvrier qui bombe, il est interdit d'interdire. Il ne dit pas par là qu'il veut la licence de la marchandise infinie pour violer les petites filles et que tout le monde devienne un abruti de la marchandise. Il est interdit d'interdire.
C'est, il est interdit au sens de Rosa Luxembourg et des textes de Marx sur la censure de 1842, il est interdit d'interdire la pensée contradictoire. C'est-à-dire qu'il est interdit d'interdire, c'est à bas la loi Guesso. Donc, les gens qui aujourd'hui critiquent le gauchisme de la marchandise le critiquent à travers les paradigmes du gauchisme de la marchandise. C'est-à-dire que bien loin de s'en sortir, ils en demeurent prisonniers. Vous avez plein de gens aujourd'hui qui critiquent le gauchisme de la marchandise et qui disent « mais oui, il est interdit d'interdire », ça voulait dire ça. Ben non, ça voulait dire l'inverse. Il est interdit d'interdire, c'est quand Rosa Luxembourg dit « dans le surgissement révolutionnaire, toute pensée contradictoire est une richesse ». C'est l'inverse. Mais tout a été falsifié. Et ça, c'est le fétichisme de la marchandise, c'est l'indistinction. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut comprendre le temps dans lequel il est, il ne comprend rien à ce temps s'il ne passe pas par Marx, en tant que Marx exprime les groupes radicaux de cet incendie social qui va créer le manifeste communiste en 1848. Vous avez plein de gens aujourd'hui qui vous parlent de l'ingénierie sociale. Ça n'existe pas, l'ingénierie sociale. Ce qui existe, c'est l'ingénierie sociale de la marchandise. Vous avez plein de gens qui vous parlent du messianisme et du mondialisme. Le messianisme et le mondialisme, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le messianisme et le mondialisme de la marchandise. Donc, tous ceux qui découvrent à un moment donné les phénomènes du temps contemporain, mais qui ne comprennent pas leur articulation à la marchandise, ne comprennent rien. Celui qui ne va pas au fond de la lutte de classe à travers le manifeste communiste, les groupes radicaux de la Première Internationale, qui ont été les sursauts de maximalisme les plus offensifs contre le mensonge de la modernité. Ce n'est pas Charles Maurras qui fait une critique du bolchevisme. C'est les groupes ouvriers radicaux qui, avant même que M. Charles Maurras connaisse Lénine, savent que le bolchevisme conduit au capitalisme d'État. C'est-à-dire que tout est venu, dans le cadre de la Première Internationale, de ces groupes ouvriers radicaux qui ont critiqué la social-démocratie dès qu'elle a surgi, qui ont compris que derrière, il y avait le mensonge capitaliste d'État du bolchevisme et qu'il y avait toute la modernité mondialiste d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui vous disent « Oh, c'est horrible, la finance s'est emparée du monde. » La finance s'est emparée du monde. C'est dans les textes de Marx de 1860, quand il explique que la domination réelle de la marchandise, avec les anticipations de plus-value, avec les contradictions sociales, fait qu'à partir de 1914, le capitalisme financier va s'emparer du capitalisme industriel. Quand les gens vous disent aujourd'hui qu'il y a une économie fictive et une économie réelle, ils ne comprennent rien. L'économie fictive est le cœur de l'économie réelle. Ce n'est pas un cancer qui vient plomber l'économie réelle. Il y a des lois objectives qui font que l'économie réelle ne pouvant plus fonctionner, elle crée du fictif, de l'endettement et de la chimère. Donc, qui ne passe pas par Marx ne peut rien comprendre au temps contemporain. Et tous ceux qui critiquent le temps contemporain sans passer par Marx prennent le temps contemporain pour le réaménager. On passe dans le néo-proudhonisme, l'améliorantisme, la rénovation. On voudrait une nouvelle bourse, on voudrait une nouvelle économie. Et on garde debout, on veut garder debout le capital en réalité. On garde tout, mais on dépensement. On garde tout et on nettoie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plein de gens parlent de révolution, mais la révolution, c'est l'abolition de l'argent et l'abolition de l'État. La révolution, ce n'est pas un coup de force pour un nouvel État et pour un nouvel argent. Le mot révolution ne veut plus rien dire. Il y a plein de gens qui vous disent, mais ah, il faut une révolution, il faut nettoyer tout ça, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il faut nettoyer. Alors, nettoyer pour faire quoi? Pour un nouvel État, pour une nouvelle économie, pour une nouvelle politique. C'est l'imposture proudhoniste et néo-proudhoniste qui a été liquidée dans la Première Internationale. On sait tout ça, que c'est le fascisme, le bolchevisme, tous ces trucs-là, c'est effectivement des impasses structurelles. Et j'avais ce matin une correspondante qui m'écrivait et qui me parlait de Georges Sorel. Mm-hmm. Georges Sorel, c'est fantastique. Ami de Péguy. Voilà. Alors, Georges Sorel croit que le syndicalisme est révolutionnaire. Le syndicalisme n'a jamais été révolutionnaire, il a toujours été contre-révolutionnaire. Et quand en 1914, la grande boucherie capitaliste se met en marche, Charles Maurras embrasse
Kropotkine sur la bouche, et l'extrême gauche et l'extrême droite, tous ensemble, disent au prolétariat, allez mon vieux, pars à la tranchée, pars à la tranchée au grand massacre. C'est que tous les groupes anarchistes, maurassiens, nationalistes, gauchistes, en 1914, appellent au grand massacre. Il y a quelques groupes ultra-minoritaires qui sont les jalons de notre conscience radicale contemporaine, avec Malatesta, avec Rosa Luxembourg, avec Karl Gibneck, qui vont appeler à refuser le grand charnier de 1914. Mais même si Georges Sorel a émis des doutes sur cette grande boucherie, faut suivre l'avis de Georges Sorel. Le syndicalisme n'a jamais été révolutionnaire, sauf dans la tête des gens qui se mystifiaient en croyant qu'un jour, il pourrait y avoir un syndicalisme révolutionnaire. Mais l'existence de Georges Sorel est très, très intéressante. C'est l'éclectisme égaré. À un moment donné, il veut être radical. Après, il est réformiste. Il se rapproche de Bernstein. Après, il y a la révolution russe. Il dit, finalement, le bolchevisme, c'est peut-être intéressant. Puis après, à la fin de sa vie, il se dit, il y a peut-être dans le fascisme. C'est-à-dire que c'est l'égaré permanent. Pourquoi ? Parce que tout part de sa tête. Si quelque chose part de notre tête, on est condamné à la mort, on est condamné à l'égarement et on est condamné à l'erreur. Tout doit partir du mouvement réel. Et sous tout le débat entre les présocratiques, Platon et Aristote, quel est le lieu de la vérité ? Est-ce que le lieu de la vérité, c'est le mouvement du réel qui vient en nous, ou est-ce que le lieu de la vérité, c'est notre intellection qui va agripper le monde ? Si je crois que le lieu de la vérité, c'est mon intellection qui va agripper le monde, je ne trouverai jamais la vérité. Je construirai des systèmes, des errances, des narcissismes, des impostures, des chefferies, des commandements, des aliénations. Si je veux comprendre ce qui fait le monde, je dois, avec une modestie infinie, accepter de recueillir la richesse du monde. Et c'est ce que fait Marx dans la Première Internationale, en poursuivant Hegel, en poursuivant les présocratiques. Ce qui doit nous préoccuper, c'est le mouvement réel. Et qu'est-ce que le mouvement réel ? C'est l'objectivité des luttes dans la structure historique de longue durée qui, contre tous les systèmes de la division du travail, avec les penseurs, il n'y a rien de pire que le penseur, il n'y a rien de pire que l'intellectuel. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel ? Ce n'est pas quelqu'un qui a une intelligence riche, un intellectuel. Un intellectuel, c'est une épave narcissique qui s'est recroquevillée sur le dernier moteur de l'auto-reproduction de son aliénation mortifère, le moi cogito. À bas les intellectuels, à bas la division du travail, à bas la pathologie de la connaissance. Marx disait, un seul pas en avant du mouvement réel est mille fois plus riche que 50 traités théoriques. Et les gilets jaunes, en un seul petit pas, nous ont fait avancer bien plus loin que tous les systèmes antérieurs de la décomposition qui avaient suivi mai 68. Donc, humilité, richesse, humilité. Il n'y a de richesse que dans l'humilité, et seule l'humilité nous amène à la richesse. Alors justement, vous écrivez en ce moment un pavé, un texte, je crois, c'est mai 68, Gilets jaunes, la crise covidienne et l'après, c'est ça ? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler, surtout de l'après ? Comment vous voyez la chose ? Alors, le problème, c'est que pour prévoir, Bordiga disait, celui qui n'est pas en capacité de prévision et d'anticipation ne sert à rien. Marx a écrit le sixième chapitre du Capital en 1868. Il y a toute la cybernétique robotique du Capital écrite en 1868. C'est-à-dire que toute l'horreur technologique du temps contemporain, il l'a prévue en 1868 parce que justement, il a compris les lois de l'histoire. Donc, il faut comprendre les lois de l'histoire. Et parmi les lois de l'histoire, beaucoup de gens disent « j'ai lu le Capital ». Alors, le Capital, c'est 4 livres et chaque livre fait 3 tomes. Mais c'est très dense. Hein. Ça veut dire qu'il y a 15 tomes, mais la plupart des gens ont pris le tome 1 du livre 1 et ils disent « j'ai lu le Capital ».
Mais ils ont tout au plus effleuré un tome sur 15. Et les 15 tomes du Capital renvoient aux 5 livres des Grundrisse. Donc, ça fait 40 ans que je vis nuit et jour avec Charles Marx. Je n'ai dans toute mon existence rencontré que deux personnes qui avaient véritablement lu Marx, c'est Maximilien Rubel et c'est Pierre Guillaume. À part Maximilien Rubel et Pierre Guillaume, je ne connais personne avec qui j'ai eu des relations qui ait lu Marx. Mais tout le monde me dit « j'ai lu Marx ». C'est une obligation de dire qu'on a lu Marx. Et c'est de la décoration publicitaire. Bon, si on lit vraiment Marx, mais pas parce que c'est Monsieur Marx. Marx, il est l'expression d'un groupe radical. Il disait « Charles Marx n'a rien écrit ». Charles Marx et Friedrich Engels forment un groupe qui s'appelle le groupe Marx-Engels dans la Première Internationale, dans la Ligue des communistes, et ils bossent en permanence en fonction des luttes de classe pour formaliser une réalité historique collective, anonyme et impersonnelle. Et à un moment donné, ils découvrent, au sens pré-socratique, la loi de la baisse du taux de profit. Cette loi de la baisse du taux de profit, elle est décisive et elle va prendre 10 tomes. Cette loi, c'est que toute la valeur est le résultat d'une exploitation. Que tout ce qui se produit dans la relation sociale historique du temps capital est produit par le travail de l'homme exploité. Je peux exploiter un homme, je n'exploite pas une machine. Quand je fais tourner une machine, je l'use, mais je ne l'exploite pas. Mmh. Chaque seconde du temps de travail d'une machine me coûte. Par contre, avec l'homme, je peux faire travailler l'homme sans payer des temps de secondes, de minutes ou d'heures. Lorsque la machine tombe en caducité parce qu'elle est usée, elle a transmis toute sa valeur aux marchandises qu'elle a produites, et toute la valeur qu'il y a dans la marchandise résulte du travail humain coagulé qui a produit la marchandise. Et Marx montre qu'il y a une contradiction radicale entre le temps de l'homme et le temps de la machine. Seul l'homme produit de la valeur, mais seule la machine produit la capacité de productivité de la valeur. La machine ne produit pas de la valeur, elle permet d'extraire plus vite de la valeur du temps humain confisqué et exploité. Il y a donc une contradiction radicale. Plus le capital se développe, plus il utilise des machines qui lui permettent d'extraire de plus en plus de valeur du travail humain, mais la machine ne produit pas de valeur. Et il y a donc une contradiction radicale entre le taux de profit et la masse de profit. Et plus le capital se développe, plus il produit du profit en masse, parce que les machines permettent aujourd'hui, avec une machine aujourd'hui, je produis 500 000 fois plus de machines à laver qu'il y a 40 ans. Sauf que dans chaque machine à laver, qui coûte de moins en moins cher, il y a de moins en moins de valeur. Et le capital ne s'enrichit pas en tant que capital parce qu'il vend des marchandises. Il s'enrichit parce que dans la marchandise, il vend de la valeur qu'il y a dans la marchandise. Et donc, toute la contradiction du système capitaliste, qui est d'une complexité extrêmement tendue, puisqu'elle fait référence au fétichisme de la marchandise, c'est de comprendre que plus le capital se développe machiniquement, plus il produit de la valeur et du profit en termes de masse, mais moins il en produit en termes de taux. Et il y a un moment donné où tout ça ne peut plus fonctionner. Et c'est ça la crise du coronavirus. La crise du coronavirus, ce n'est pas que le système veut nous contrôler davantage. C'est une pause. Le capital est obligé de se mettre en pause parce qu'il ne peut plus fonctionner en tant que valorisation, en tant que plus-value, en tant que profit. C'est pas alors là on sombre dans le journalisme anecdotique, Bill Gates, les vaccins, la Silicon Valley, ils veulent nous contrôler davantage, donc pour nous contrôler davantage, ils ont mis en marche le grand reset, etc.
Tout ça, c'est de l'émulsion fétichiste qui renvoie à une incompréhension de ce qu'est le fétichisme de la marchandise. Le capital, et nous l'avions prévu dans nos textes et avec le groupe Guerre de classe, quand le capital est rentré dans les taux d'intérêt négatifs en 2018, il a lui-même signalé objectivement tout ce que Marx avait signalé dans les Grundrisse et dans le Capital, c'est-à-dire que cette contradiction entre le taux de profit et la masse du profit ne pouvait plus fonctionner. Quand il y a eu la grande crise des années 71-73 et que, d'un seul coup, les étalons monétaires ont explosé et que le dollar comme étalon or n'a pas pu continuer et que les mesures Nixon ont fait passer l'échange fixe au change flottant en imposant l'acceptation de la non-convertibilité du dollar en or, on avait franchi une ligne historique que Marx avait très très bien positionnée dans le livre 3 du Capital, qui était précisément le moment où la sphère chimérique de l'endettement marque une dématérialisation totale de la structure sociale et une dématérialisation totale de la monnaie elle-même. Mais les gens n'ont pas lu Marx. Les gens ne connaissent pas les textes radicaux de la Première Internationale. Donc les gens, ils bricolent. Ils prennent une vidéo d'un mec qui a travaillé plus ou moins dans la banque. Ils prennent une vidéo d'un mec qui fait un petit peu de travail sur l'ingénierie sociale. Ils prennent une vidéo d'un mec qui a recopié un truc sur le Grand Reset. Et hop, ils font une soupe là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le capital a construit le grand mensonge étatique mondial du coronavirus parce qu'il ne peut plus fonctionner dans l'objectivité réelle de l'économie aliénée du désir consommatoire. L'appareil de production du fétichisme de la marchandise, du taux de profit, de la masse de profit ne fonctionne plus. Le capital aujourd'hui ne se valorise plus. Il ne peut plus se valoriser. Donc, il a décidé d'une mise en friche généralisée. Enfin, imaginez-vous s'il y a 10 ans, je vous avais dit, un jour, les compagnies d'aviation vont s'arrêter. Les compagnies de navigation vont s'arrêter. Tout va s'arrêter. Il n'y aura plus d'Airbus. Ça aurait été un film d'anticipation, un roman d'anticipation, là. Mais Marx l'a écrit en 1868. Mais personne n'a lu Marx. Alors, vous avez plein de clampins qui critiquent Marx aussi. Ils n'ont rien lu. Alors, le souci, c'est quand, vous savez, on raccourcit Marx à ce qu'on pourrait appeler le marxisme. Et vous n'êtes pas marxiste, contrairement à ce que certains disent. Francis Cousin est marxiste. On ne pense pas que Cousin est marxiste, puisque Marx a dit lui-même… Je ne suis pas marxiste. Mais je pense, elle est là, la compréhension. Le marxisme, pour eux, ça va être le prof au collège, vous savez, qui plein d'idéologies de gauche, et ça s'arrête là. Donc, faut bien que les gens comprennent que ce n'est pas la même chose. Est-ce que le Christ est calviniste? Il y a plein de séminaires calvinistes qui expliquent que Calvin est le meilleur héritier du Christ. Et on avait plein de séminaires bolcheviques, staliniens, trotskistes, maoïstes, qui nous expliquaient. Mais le problème, ils trafiquaient les textes de Marx. C'est-à-dire que les gens qui voulaient… On a parfois ce truc, mais Marx et le goulag. Le capitalisme d'État bolchevique, c'est l'adoration du salariat d'État. La critique du programme de Gotha, c'est l'anticipation du bolchevisme où Marx fait une critique radicale de ce que va être le léninisme. C'est-à-dire que Marx est tellement anti-léniniste, anti-bolchevique et anti-capitalisme d'État stalinien ou trotskiste qu'avant même qu'ils émergent, il a écrit dans la critique du programme de Gotha un texte qui les dénonce à l'avance. Mais si le type débile, Action française complètement con. Allez voir les commentaires en dessous parce qu'il y en a. On va rigoler. Allez. Marx était l'ami des Rothschild. Ils n'ont jamais lu la question juive. Ils ne connaissent pas les textes de Marx sur Rothschild. Marx, vous lisez les luttes de classe en France, vous lisez la guerre civile en France,
il passe son temps à éreinter les Rothschild. Donc, le mec débile qui vous dit « Marx était copain des Rothschild », il a lu ça sur un site non sourcé, mais il n'a même pas lu le texte de Marx sur les Rothschild. Et c'est toute l'inculture contemporaine. Et c'est toute l'inculture contemporaine. Je travaille depuis très longtemps sur la problématique que Engels a positionnée sur le geste et la parole, et qu'a d'ailleurs repris le roi Gourand, le geste et la parole. Je ne sais pas si vous connaissez, le roi Gourand est un préhistorien qui est un moment phare des recherches préhistoriques dans les années 50, 60, 70. Et sans savoir que Engels et Marx ont travaillé là-dessus, ils retrouvent les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire que la parole, le logos, ça a commencé par le geste. Quand les premiers primates ont surgi dans l'histoire et que les premières relations de signification se sont faites, avant de parler, ils bougeaient à travers des gestes de signification. Et la parole n'est que la traduction organisée du geste. C'est d'ailleurs pour ça que logos en grec, legein, recueillir, qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que le logos? C'est le recueillir des gestes qui progressivement, en assignation, en destination, produisent un sens qui va finir par faire parole. Autrement dit, c'est pas parce qu'on pense qu'on parle, c'est parce que dans le rapport social communiste premier des chasseurs-cueilleurs, on a fait des gestes qu'à un moment donné, on a produit du sens et la parole. Et avec un certain nombre de correspondants, on travaillait sur l'écriture et le clavier. La plupart des gens qui vous suivent ne sont pas des hommes qui prennent un stylo le matin pour écrire. Quand ils disent C, quand ils disent P ou quand ils disent M, ils n'écrivent pas C, P ou M. Ils appuient sur un clavier. Or, ce que nous a appris Marx, ce que nous a appris Engels, ce que nous a confirmé le roi Gourand dans tous ces travaux-là, c'est que quand j'appuie sur un clavier, il y a C, il y a P ou il y a M. Et c'est le même clavier. Ce n'est pas la même lettre. Mais le geste, je vais appuyer sur C, je vais appuyer sur P, je vais appuyer sur M. Le geste de conduction intelligente dans l'électricité des connexions, du rapport social, de l'émotion elle-même. On s'est rendu compte que depuis que les gens écrivent de moins en moins, le C, le P et le M n'ont plus du tout le même sens. Il y a une articulation de radicalité, de puissance, de substance et de destination. Si avec mon stylo, j'écris et que je fais des C, des P et des M, ma main, mon geste, cette conduction de logos, elle produit des constructions articulaires de logique conceptuelle. Ce n'est pas du tout la même chose que le clavier. Et les générations contemporaines qui vont aller faire des commentaires sur votre site ou sur tous les autres sites, ce n'est pas le stylo, c'est le clavier. Si je fais un C avec mon stylo, il y a toute une articulation de gestes qui va positionner des dialectiques de sensation, de perception, de dépassement, de positionnement, de contre-positionnement qui fait articulation d'intelligence supérieure. Si je suis face à mon clavier, C, P, M, c'est trois touches différentes sur le même clavier, mais le geste est le même. J'ai une indistinction, on retrouve ce que nous avons vu tout à l'heure dans le fétichisme de la marchandise et l'indistinction. On retrouve un geste qui, dans son indistinction, est de plus en plus stérilisant, débilitant et anti-logos. Donc tout se tient. Justement, le propos du livre. Une fois, je vous avais entendu parler au sujet du livre. Alors, dans le sens, hein, je ne me souviens plus exactement des termes employés, que c'était le résultant d'une forme d'aliénation, enfin de notre aliénation que d'écrire et de produire du livre. Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu le livre, ce qu'est le livre, justement? Alors,
comme disent les présocratiques, il y a deux consciences, il y a deux vérités, il y a deux jouissances, il y a deux émancipations, il y a la vraie et il y a la fausse. On parlait de 68 tout à l'heure, il y a la vraie émancipation radicale de la grève sauvage qui dit « à bas l'État, à bas l'argent », et puis il y a le gauchisme de la marchandise qui, dans cette dualité pathologique, comme Bendit Attali, nous amène au gouvernement mondial de la marchandise totalitaire. Donc, en toute chose, il y a toujours deux langages qui se superposent à une même réalité. Il y a le vrai et il y a le faux. Alors, dans les communautés communistes originelles, on n'écrit pas. Pourquoi on n'écrit pas ? On n'écrit pas parce qu'il n'y a pas besoin de compter C-O-M-P-T-E-R et il n'y a pas besoin de compter C-O-M-T-E-R. Une tribu sioux des profondeurs, elle n'a pas besoin d'écrire. La communauté germanique des profondeurs, elle n'a pas besoin d'écrire. À un moment donné, il y a une faille historique. Et cette faille historique, elle est le produit de la révolution néolithique qui, à un moment donné, va faire basculer les communautés de chasseurs-cueilleurs dans un espace civilisationnel, agraire, administratif et étatique. Les communautés agraires qui surgissent à partir de la révolution néolithique du croissant fertile vont faire jaillir une comptabilité administrative des stocks agraires. Pourquoi les peuples chasseurs-cueilleurs deviennent-ils progressivement des peuples agriculteurs ? Alors, ils ne le deviennent pas du jour au lendemain. Il y a une grande phase historique sur laquelle Engels a beaucoup travaillé, qui est ce que l'on appelle aujourd'hui la phase mésolithique. Le chasseur-cueilleur, il n'est pas au 31 décembre chasseur-cueilleur, puis le 1er janvier, il se réveille et puis il est devenu agriculteur. Il y a une longue phase historique, mésolithique, où les chasseurs-cueilleurs sont des agriculteurs intermédiaires. C'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs, un jour, ils découvrent des graines, ils utilisent les graines. Ils sédentarisent progressivement aussi, il y a ça. Tout se fait progressivement. Le chasseur-cueilleur nomade ne devient pas un agriculteur sédentaire en 15 secondes. Ça se fait sur plusieurs millénaires. Et au bout de ces plusieurs millénaires, il se positionne quelque chose d'essentiel qui est le stock agraire qui n'est pas maîtrisable. Le surplus. C'est-à-dire que quand je suis chasseur-cueilleur et que je bricole de la céréale, ben, il y a un peu de céréales. Puis progressivement, c'est ce que montre Marx, c'est que ce n'est pas moi qui acquiert le pouvoir sur la céréale. C'est la céréale qui va s'autonomiser et qui, par sa production, va produire des excédents que je n'ai pas décidés. Et cette excédence céréalière, il y a deux solutions, ou je la laisse pourrir ou je la garde. Et si je la garde, je la stocke. Et si je la stocke, elle met en marche ce qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, un rapport d'échange entre ceux qui ont cette céréale et ceux qui ne l'ont pas. Et donc, elle produit une dynamique comptable, le calculi. Les premières écritures cunéiformes sont des calculi comptables. Donc l'écriture surgit dans l'histoire à un moment donné, lorsque les chasseurs-cueilleurs ont définitivement quitté le territoire des chasseurs-cueilleurs pour totalement entrer dans le territoire de la sédentarisation de la révolution néolithique et que il faut gérer ici et maintenant cette abondance céréalière qui est stockée et qui est donc calculée. Et le calculi cunéiforme qui est la première écriture progressivement devient une écriture administrative qui va effectivement codifier la chronologie étatique des appareils de domination et de domestication sur les greniers. La société de classe, elle est inexistante chez les chasseurs-cueilleurs, que ce soit chez les Germains, chez les Celtes, chez les Sioux ou chez les Cheyennes, il n'y a pas de classe chez les chasseurs-cueilleurs. La lutte de classe, dit Marx, elle naît dans la société agricole qui écrit.
Et pourquoi qui écrit? Parce que très rapidement, le calculi, qui n'est qu'un code comptable, va devenir un code d'ordonnancement et de justification du stock céréalier. Et donc, qui dit pouvoir de contrôle comptable des stocks, dit pouvoir de justification des stocks dans une écriture de légitimation de la justification des stocks. Donc, elle n'est que fonctionnelle au début de l'écriture. Elle n'est pas de l'émotionnel. Elle n'est que fonctionnelle. Mais puisqu'elle se développe, elle traduit le déchirement. L'acte comptable des calculis, puis l'acte d'écriture de l'ordonnancement littéraire. Alors, les premières écritures sont des codes d'administration étatique. Puis, dans un deuxième temps, ça devient des épopées de légitimation onirique. Les révélations. Alors, on vient justifier. Il y a le monde du dessus qui vient nous éclairer dans le monde du dessous. Puis il y a l'épopée des héros. Il y a la grande rencontre entre les héros et le divin. L'écriture de justification. Homère. Pardon ? Homère, par exemple. Voilà. Et donc, l'écriture est donc à la racine une aliénation. L'homme premier, le Sioux, le Cheyenne, le Celte, archaïque, il n'a pas besoin d'écrire. Alors, il s'enferme en vérité. Comment ? Il s'enferme quelque part. Non, il ne s'enferme pas parce qu'il vit l'accomplir. Il n'a pas besoin, si vous voulez, l'acte d'écriture présuppose que ma jouissance ne se dit plus spontanément. Elle a besoin d'être narrée. Et si j'ai besoin de narrer, c'est narcissique, alors. L'immédiateté substantielle a été déchirée. Mais il ne faut pas en rester à ça. Mm-hmm. Parce qu'après la longue histoire de l'écriture, à un moment donné, elle se renverse dialectiquement. C'est-à-dire l'écriture est la longue narration des domestications successives par lequel l'homme brisé et confisqué en son humanité construit des actes administratifs, des actes religieux, des actes lyriques, fantasmatiques de compensation. Mais à un moment donné, dans le développement de l'histoire, l'écriture est renversée comme acte de radicalité. C'est parce qu'il y a eu les calculis du Tigre et de l'Euphrate, dans toute leur aliénation, dans tout leur écrasement de la réalité humaine, qu'un jour il y a Hegel, il y a Marx ou il y a le Christ. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'écriture devient insurrectionnelle ? C'est qu'elle se renverse en renversant l'écriture de la domestication. C'est la même chose là. On a fait une émission avec les gens de guerre de classe sur Napoléon. Pourquoi on a voulu nous sortir de cette épopée napoléonienne ? Parce qu'au bout de l'épopée napoléonienne, il y a 1848, il y a le manifeste communiste. La grande épopée napoléonienne de l'universel qui a fait jaillir la pensée hegélienne de la phénoménologie de l'esprit et du savoir absolu. C'est une épopée aliénatoire. Elle vise à justifier l'état rationnel. L'état rationnel hegélien, finalement, c'est la transmutation métallurgique et alchimique du code civil. Mais les troupes napoléoniennes produisent dans cet universel européen un gigantesque chaos qui est aliénatoire, mais qui n'est pas qu'aliénatoire, qui est produit le renversement qui va construire la révolution de 1848, le manifeste communiste et la Commune de Paris. Pourquoi tous les gens aujourd'hui qui gueulent contre Napoléon ? Ils ne gueulent pas contre Napoléon parce que Napoléon a tué des gens. Ils n'ont rien à dire sur Hiroshima et Nagasaki et les massacres de la démocratie capitaliste pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils s'en foutent qu'on massacre des gens. Et quand on nous parle du rétablissement de l'esclavage en 1802, on omet volontairement de nous expliquer que tous les royaumes africains de 1802 sont esclavagistes. On fait à Napoléon, dans le cadre d'un conflit avec l'Angleterre sur la Martinique, la Guadeloupe et les îles à sucre, une mauvaise critique, mais qu'en est-il de l'Afrique de l'Ouest ? En 1802, tous les royaumes africains sont esclavagistes. Et la situation d'un esclave au Dahomey, au Gabon ou au Bénin est bien pire que celle d'un esclave dans les îles à sucre. Donc, tout ça est falsification, travestissement,
et imposture historique. Donc, l'écriture est une aliénation, mais qui est d'une telle force qu'elle permet la contre-aliénation. L'Empire napoléonien est une aliénation, mais qui produit une telle universalité que Hegel, Beethoven, tout le renversement dialectique, il y a le manifeste communiste au bout. Et tous ceux qui aujourd'hui nous interdisent d'avoir un regard sur Napoléon, ce n'est pas Napoléon qui est en vue. C'est l'histoire critique, radicale, subversive européenne. Et c'est exactement aujourd'hui la même chose pour la déconstruction linguistique. La langue est une aliénation, mais si je prends cette langue dans l'histoire de la radicalité et que je la renverse, elle devient un lieu de subversion. À partir d'un texte contre-révolutionnaire, les calculi, le tigre, l'euphrate, des siècles d'écriture administrative, politique, religieuse et serviliste, des hommes se sont levés et ont renversé l'écriture. Donc l'écriture est aujourd'hui devenue dangereuse. Même si l'écriture a une source aliénatoire, elle s'est développée en produisant la contre-aliénation. Elle est donc dangereuse. Donc aujourd'hui, toutes les conneries de l'écriture inclusive, tout ce que je vous disais sur le clavier et le stylo, il faut nous faire sortir de l'histoire. Alors, on nous fait sortir de l'histoire à travers Napoléon et la Commune de Paris, parce qu'il ne faut absolument pas qu'on comprenne qu'il y a en Europe une histoire incandescente de radicalité subversive qui conduit au manifeste communiste, à abolition de l'État, abolition du salariat, abolition de la marchandise. Le grand remplacement, c'est d'abord le grand remplacement des communards. Il faut absolument faire sortir les hommes de l'insurrection communiste de l'histoire. Il faut donc nous faire sortir de l'histoire. On abolit l'histoire et on crée l'éternel présent abruti des tribus domestiquées, LGBT, immigrationnistes, sans-papiéristes, bon, toute la grande consommation capitaliste de la servitude infinie. Et dans le même temps, il faut détruire la langue. Parce que quelqu'un qui parle, quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui perçoit les destinations. Un bac 1965, c'est supérieur à un bac plus 12 1998. Déstructuration de la langue, la langue inclusive, tout ça, ce ne sont pas des folies du capital, ce sont des ordonnancements logiques du fétichisme de la marchandise. Et on en revient à ce fameux livre premier du Capital, première section, le fameux hiéroglyphe du Capital. Il faut rendre les choses indistinctes. Il ne faut plus que les êtres puissent percevoir, puissent signifier, puissent situer. Et la langue, le roi Gourand, Marx, Engels, le geste, la parole, la langue est la boussole du percevoir. À partir du moment où je passe de 30 000 mots à 20 000, de 20 000 à 10 000, de 10 000 à 5 000, et que je deviens un robot abruti. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des sauvages. Non, il n'y a pas des sauvages. Le sauvage, il est distinct. Il n'y a pas d'ensauvagement. Le sauvage, il a une culture. Il respecte la femme. Il regarde le gibier avec amour. Il contemple les arbres. Le sauvage est un homme de distinction. Ce qu'on a dans les banlieues, ce n'est pas des sauvages. C'est des robots abrutis de la réification capitaliste. Et tous les gens qui parlent d'ensauvagement, à tort ou à travers, nous dissimule le véritable enjeu. Le robot de la réification tel qu'il a été posé par Marx dans le fétichisme de la marchandise, il est là, il est incapable de parler. Il ne peut pas faire une phrase de six mots. Il loquette, il bredouille, il gesticule, il est chaotique. Et tout ça se tient dans cette compréhension historique qui est révolutionnaire sur la langue, sur l'écriture, sur le langage. On va rester sur le propos du bouquin. J'ai fait en fait une petite sélection de bouquins. Alors, c'était des livres, lorsque je venais vous voir à l'époque, vous m'aviez encouragé à aller dessus. D'autres sont des livres que j'ai lus par moi-même, hein, et dont je vous ai entendu parler. On avait notamment Marx et les manuscrits 1844 que vous avez parlé tout à l'heure. Alors pourquoi vous m'aviez conseillé de lire avant le Capital
il me semble, hein, que je dis plus de bêtises, je me souviens plus exactement, de passer par les manuscrits de 44. Alors, passer par les manuscrits de 44 avant le Capital, parce qu'il y a déjà, il y a déjà, si vous voulez, une chronologie logique. Le Capital, c'est 1868, les manuscrits de 44, c'est 1844. Donc, Marx, dans les manuscrits de 1844, fait une critique radicale de l'aliénation. L'homme de lettres qui est vampirisé par l'avoir. Il y a toute une critique de la sexualité capitaliste contemporaine complètement aliénatoire. Qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce que la jouissance? Quand on dit « jouissons sans entrave » en 68 et qu'on fait partie d'un groupe radical, on n'a rien à voir avec Cohn-Bendit et le gauchisme de la marchandise. C'est « jouissons sans entrave » contre l'impérialisme de la marchandise. Ce n'est pas « jouissons sans entrave » dans l'accumulation pathologique de l'érotisme de la marchandise. Donc, si vous voulez, les manuscrits de 44, c'est la compréhension radicale qu'il y a l'homme de l'être et qu'il y a l'homme de l'avoir. C'est toute la synthèse historique de ce qui se passe depuis le néolithique. Parce que depuis le néolithique, la valeur d'échange s'est emparée du monde. Les écritures administratives, les écritures politiques, les écritures religieuses, les écritures aliénatoires ont domestiqué l'homme, mais l'homme n'est pas une matière inerte. Il n'y a pas, depuis le néolithique jusqu'à 1789, le monde est à feu et à sang d'insurrections paysannes. Les croquants, la fronde, le Moyen-Âge, la guerre des paysans en Allemagne, c'est-à-dire que l'histoire des anciens régimes qui nous amène à 1789, c'est bien évidemment la chronologie classique des anciens régimes, mais c'est des insurrections paysannes permanentes pour défendre les communaux, ces terres communes, contre l'emprise de la bourgeoisie, de la féodalité, de l'Église et de la noblesse. Et toute l'Europe a été à feu et à sang en défendant la qualité générique de l'homme vrai contre le règne de la quantité despotique. Et quand Marx, après 1789, en tant qu'il est l'écrivain des groupes radicaux qui vont fonder la Ligue des communistes, positionne une compréhension historique de ce processus et qu'il fait la jonction entre les luttes paysannes et les luttes prolétariennes, il positionne dans les manuscrits de 44 toute cette richesse de la terre européenne, de l'ancestralité communarde. L'ancestralité communarde, c'est pas les Mayas, c'est pas l'Afrique coranique, c'est pas le Japon shintoïste. C'est un territoire bien précis, et d'ailleurs, il écrit à la même époque dans une revue qui s'appelle la Gazette Rhénane, qui renvoie à la racine indo-européenne Rai qu'on retrouve chez Héraclite, le Pantarei. Qu'est-ce que l'histoire? C'est le Pantarei, c'est le tout cool, Rai, cette vieille racine indo-européenne. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de l'Europe? Il y a le Rhin. Le Rhin, qui n'est pas simplement un fleuve avec de l'eau qui coule, mais qui est une matrice culturelle insurrectionnelle, paysanne et ouvrière. C'est la Hollande, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est l'Italie, c'est la Suisse, c'est le cœur vivant de cette Europe, les cochonailles, les vins, les jouissances, la femme, dans les manuscrits de 44, à quoi mesure-t-on la richesse culturelle d'une époque historique? À la manière dont les hommes regardent la femme. Regardez la femme juive, regardez la femme musulmane, regardez la femme asiatique, regardez la femme africaine, et regardez Hildegard von Bingen, Jeanne d'Arc, Aliénor d'Aquitaine. Vous avez tout compris. La radicalité de la Gazette Rhénane, la femme, le désir, la conscience, la radicalité. Il n'y a qu'un seul espace au monde qui, dans la longue durée, a produit cette quintessence subversive qui conduit au manifeste communiste et à l'abolition de l'État et à l'abolition de l'argent. C'est cette Europe centrale autour du Rhin qui, ce que dit Engels, à partir des invasions germaniques sur la décadence romaine, a fait surgir ce qu'on appelle les communaux. Les communaux. Et on va se retrouver tout à l'heure avec Orwell.
la commune des Sensi. La commune des Sensi, ce n'est pas la décence commune au sens où ce serait une décence collective. La commune des Sensi, c'est une décence communière. C'est une décence communiste. De la même manière qu'en France, vous avez les communaux, en Angleterre, vous avez les communs. En Allemagne, vous avez les communs. Dans toute l'histoire européenne, il y a les communs, qui sont des territoires de vie subversive commune. Juste couper un instant sur le terme communiste, que l'on s'entende bien, parce que les gens en général vont virer au rouge, si je puis dire. Qu'est-ce que le communisme, rapidement, Francis ? Parce que ce n'est pas Georges Marchais ou autre. Le communisme n'est pas un système à la considérant à la Proudhon qui décide d'imposer aux gens des règles. Le communisme, c'est la tradition primordiale de l'être. Les chasseurs-cueilleurs sont communistes. L'épître aux Corinthiens est communiste. Toute la paysannerie occidentale est communiste. Et tous les territoires de la planète, à des niveaux différents, en fonction des structurations, despotisme oriental, mode de production asiatique, mode de production antique, avec toutes les dislocations, quand l'homme est sorti de son état de primate supérieur, en tant que chasseur-cueilleur, il est communiste au sens où l'espace de vie est communié. Il n'y a pas d'appropriation privée. L'appropriation privée, elle naît de la révolution néolithique. Et qu'est-ce que le communisme comme mouvement social de subversion de la longue durée ? C'est cette longue aspiration à l'homme à retrouver la vérité ontologique de sa vraie vie. Alors, il ne s'agit pas de repartir au communisme originel. Le communisme originel était local, et c'est pour ça qu'il a été disloqué. Quand vous prenez le film « Danse avec les loups », je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps avec ma fille, justement, il y a peut-être un mois. Bon, si vous voyez ce film-là, c'est magnifique. Vous voyez bien que les Sioux et les Ponis se tapent sur la tronche. Oui. Donc, les Sioux et les Ponis se tapent sur la tronche. Ils sont tous les deux dans un mode communiste archaïque, mais localiste, donc aliéné, donc étriqué. Quand un Sioux voit un Pony, il voit un anti-Sioux. Quand un Pony voit un Sioux, il voit un anti-Pony. Donc, qu'est-ce que nous dit Hegel ? Tant que l'humanité n'a pas atteint l'universalité, le communisme ne peut être que local, étriqué, aliénatoire. Et donc, quand va surgir la révolution néolithique de la valeur d'échange, toutes les communautés vont se disloquer dans la concurrence et l'affrontement. Pour qu'il y ait communisme, contre le cosmopolitisme totalitaire de la marchandise, il faut produire la communauté universelle anti-étatique et anti-argent de l'émancipation du prolétariat. Et c'est le seul point positif de l'aliénation marchande. L'aliénation marchande a produit un homme universel aliéné. Mais les Sioux et les Ponis, ils ne savent pas qu'il y a des Pékins en Afrique. Ils ne savent pas qu'il y a des Pékins au Japon. Ils ne savent pas qu'il y a des Pékins en Inde. Chacun est localisé dans son appartenance territoriale aliénatoire. Donc la conscience du vrai, c'est la conscience de l'universel. Il y a une vraie conscience humaine chez les Sioux, comme chez les Germains, comme chez les Celtes, mais elle est triquée et localisée, puisqu'elle bute sur l'absence de savoir de l'universel. Et c'est parce que le capital a développé l'aliénation universelle, comme tout à l'heure on a parlé de la lecture et de l'écriture, on peut renverser l'écriture aliénatoire en écriture émancipatoire, on peut renverser l'aliénation de la marchandise en contre-aliénation, parce que même si la marchandise nous a produit l'universel aliéné, à partir de là, on peut produire l'aliéné anti-marchand, enfin, on peut produire la conscience universelle de l'anti-aliénation et de l'anti-marchandise. Donc, le communisme devient possible que quand la marchandise s'est répandue sur la totalité du monde et que dans sa crise historique, baisse du taux de profit, saturation des marchés, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le coronavirus, le capital ne peut plus fonctionner. C'est à ce moment-là seul que les Ponis et les Sioux peuvent cesser de se penser en tant que Ponis et Sioux, même s'ils sont aussi des Ponis et des Sioux, et se dire, mais du point de vue de l'universel,
il faut éradiquer le cosmopolitisme de la marchandise. Je ne sais pas si oui, c'est oui, clair. oui, très bien. Bah, pour moi, ça l'était parce que je vous connais hein, depuis le temps. Donc, si vous voulez, quand les gens entendent communiste, il faut qu'ils se disent « soyons intelligents ». Est-ce que Calvin et Jésus, c'est la même chose? Est-ce que Marx et Lénine, c'est la même chose? Alors, lisez le Christ, lisez Calvin, comparez. Lisez Marx et lisez Lénine, comparez. Et n'oubliez jamais que les premiers groupes dans l'histoire du monde qui ont critiqué la révolution bolchevique, qui a massacré le prolétariat russe, ce sont des groupes qui se réclamaient de Marx. Que les gens aillent voir la vidéo que nous avons faite sur la commune de Kronstadt. Les gens ont plus ou moins parlé de la commune de Paris, mais peu ont parlé de la commune de Kronstadt. C'est-à-dire que les groupes communistes radicaux ont toujours dénoncé le bolchevisme comme un capitalisme d'État, d'ailleurs allié aux banques américaines. Gros morceau, celui-ci, la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Alors ça, c'est du mal, hein. J'ai eu du mal. Comment on peut le lire? C'est vraiment... C'est dense et c'est très complexe. Alors, la phénoménologie de l'esprit, c'est un ouvrage majeur, et c'est un ouvrage majeur qui vient nous dire ce qui résulte de la révolution de 1789. C'est-à-dire que les sociétés d'Ancien Régime sont des sociétés d'imposture et de mystification. Ce sont des sociétés d'imposture et de mystification limitées. Et en 1789, va naître l'imposture et la mystification illimitée, puisque, comme le dit Marx, l'imposture se fait monde. En 1789, l'imposture se fait monde. La valeur d'échange s'empare du monde, liberté, égalité, fraternité. Liberté des marchandises humaines asservies. Égalité des marchandises humaines asservies équivalentes. Fraternité dans le grand bordel théâtral de la domestication infinie. On est au paroxysme du mensonge social. Toutes les sociétés d'Ancien Régime sont des sociétés de domestication et d'imposture. Il y a la lutte des classes. Il y a effectivement une lutte de classes entre les dominants et les dominés. Mais on n'a pas atteint le point de paranoïa imposturante. 1789, la philosophie des Lumières de l'imposture marchande, la valeur d'échange s'empare de la totalité du monde jusqu'à faire de chaque vie individuelle une valeur d'échange. L'économie narcissique des échanges, l'économie narcissique des productions infinies, on rentre non pas simplement dans la terreur des colonnes infernales, le massacre des sans-culottes parisiens, le massacre des chouans, on rentre dans le massacre de l'homme humain. Et on aboutit aujourd'hui à la réification avec la chosification, le transgenre, le transhumanisme, tout ce que vous voulez, mais qui est déjà contenu dans les 120 journées de Sodome et dans la révolution capitaliste de 1789. Et Hegel, qui prend Kant à bras les bras, Kant, c'est la raison marchande triomphante. C'est la révolution de 1789 qui triomphe. Et Hegel reprend ça, mais pas dans sa tête. Il le reprend dans le mouvement réel de l'histoire. Quand il voit Napoléon à Iéna en 1805, il dit « j'ai vu passer l'âme du monde ». Il ne dit pas « j'ai vu passer l'âme du monde » parce que le petit empereur à bicorne serait l'âme du monde dans sa subjectivité personnelle. Il veut dire que d'un seul coup, après les guerres de 100 ans, après la guerre de 30 ans, après toutes les guerres, parce que finalement, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, elle ne se termine qu'en 1815 à Waterloo. La guerre de 100 ans, elle existe déjà dans une forme embryonnaire sous Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. Mais à la mort de Philippe le Bel, quand Philippe de Valois prend la succession et que ça continue, et que ça continue, et que ça continue, et que ça va jusqu'à Castillon en passant par Jeanne d'Arc, c'est pas fini. Parce que sous Louis XIII et sous Louis XIV, la guerre de 100 ans recommence sous une autre forme. Cette guerre de 100 ans, c'est une guerre de 1000 ans.
qui s'arrête en 1815. C'est le conflit entre une puissance judéo-protestante commerciale industrielle et une puissance agricole avec une rente foncière traditionnelle. Et ce n'est pas un hasard si la France reste catholique et si l'Angleterre bascule dans le judéo-protestantisme. Marx explique tout ça très bien. C'est-à-dire que les luttes religieuses sont des luttes de classe. Les luttes religieuses sont des luttes de classe. Et donc, quand Hegel voit cette explosion de la vieille Europe, il n'y a plus l'Empire romain germanique, il n'y a plus la Prusse, il n'y a plus la France, il n'y a plus l'Angleterre. D'un seul coup, il y a un continent qui s'appelle l'Europe et qui est à feu et à sang pendant 20 ans. Il comprend, il saisit l'esprit universel d'un savoir absolu qui comprend la totalité de ce qu'il y avait avant et qui prévoit la totalité de ce qu'il y aura plus tard. Donc Hegel est un moment, et Hegel va créer ce concept décisif qui est celui du savoir absolu. Qu'est-ce que le savoir absolu ? Le savoir absolu, c'est cette compréhension historique qui fait qu'à un moment donné, on comprend la totalité des lois historiques qui, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, font que tout ce qui a été devait être. Hegel définit, à la suite des présocratiques de Aristote, de Spinoza, quelque chose d'essentiel qui s'appelle le nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire ? Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Alors, vous avez plein de gens pour qui l'histoire est un violon narcissique. Si les hommes avaient eu plus de passion, on aurait pu gagner. Si les hommes avaient eu plus d'énergie, on aurait pu tourner à gauche. Si les hommes avaient eu davantage de passion, après avoir tourné à gauche, on aurait peut-être pu tourner à droite. L'histoire est un chaos de subjectivité passionnelle. Hegel dit non, ça c'est fini, c'est des conneries, vous n'avez rien compris. L'histoire est une suite de logiques impénétrables, incoercibles, de nécessités incontournables. Quand Napoléon, en 1815, perd, alors on peut refaire 50 fois la bataille de Waterloo, Grouchy, Blücher, etc. Il faut comprendre les déterminations objectives. L'histoire est le domaine de la nécessité. Ce n'est pas les passions des hommes qui font l'histoire, c'est l'histoire qui se sert des passions des hommes pour imposer sa nécessité. Et il y a une logique. La féodalité ne peut pas être postérieure au capitalisme. Le capitalisme ne peut pas être antérieur à la féodalité. La Seconde Guerre mondiale, malgré tout le génie stratégique de Hitler, il est condamné à perdre. La guerre de sécession, malgré toute la capacité géostratégique du général Lee, il est condamné à perdre. Donc, il y a des lois historiques d'ordonnancement en fonction des rapports de production qui font que même le stratège le plus intelligent, dans un rapport de production donné, il est condamné à perdre. Hannibal est 1000 fois plus stratège que Scipion l'Africain. Il a gagné la bataille de Cannes parce qu'au moment où il a gagné la bataille de Cannes, il est dans un rapport stratégique positif. Mais quand il se retrouve à Zama, c'est le même Hannibal qui est tout aussi intelligent que pour la bataille de Cannes. Et il va se faire écraser par Scipion l'Africain parce que Carthage n'a plus la puissance des forces productives permettant la reproduction de Carthage. Donc, ce que nous apprend Hegel, c'est les grandes lois historiques de la détermination universelle. L'homme fait l'histoire, mais déterminé par des lois qui lui sont supérieures, qui s'appellent les rapports de production. Et Marx, dans le cadre de la Ligue des communistes, dans le cadre des Grundrisse et du Capital, va venir formaliser ça pour justement nous faire comprendre, à partir de la phénoménologie de l'esprit, que ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence sociale, c'est leur existence sociale qui détermine leur conscience historique. Alors bien évidemment, la conscience historique réagit sur les formations sociales. Mais je suis, qu'est-ce que l'homme ? L'homme, c'est l'homme produisant l'homme. C'est donc l'homme produisant le rapport social objectif de l'homme. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est ce mot que les crétins ont inventé pour ne pas comprendre la nécessité qu'ils n'ont pas la capacité d'appréhender. Le hasard n'existe pas en histoire. Il n'y a que de la nécessité. Et tous ceux qui font l'apologie du hasard
font l'apologie du hasard parce que, ou feignasse, ou inculte, ou pauvre type, ils n'ont pas creusé la détermination objective de ce qu'est la nécessité. Prenez la Deuxième Guerre mondiale. Bon, moi, je travaille énormément la stratégie. Vous prenez le tigre ou le panthère. Le tigre ou le panthère, le Messerschmitt 262, vous prenez tout l'arsenal militaire allemand. En termes de performance stratégique, le matériel allemand est sans aucune commune mesure avec le matériel américain. Et pourtant, alors même que les généraux allemands ont des capacités d'intervention stratégique mille fois plus intelligentes que même Patton, qui est le moins débile des généraux américains, qui va gagner en 1945 ? Ce n'est pas l'Allemagne, malgré le Messerschmitt 262, le tigre ou le panthère. C'est le rapport de production objective de la conflictualité mondiale entre la puissance navale et la puissance continentale et le rapport de production. Parce que même si le Messerschmitt 262 est un avion ultra performant, les chaînes de production en Allemagne vont pouvoir en produire 200 par mois, alors que dans le même temps, les B-17 ou les B-19 américains, on en produit 20 000. Donc, l'empire américain de la production, même s'il n'a pas de capacité d'intelligence stratégique, va gagner. C'est une loi de nécessité. Et c'est ce que Hegel nous apprend dans la phénoménologie de l'esprit. Et c'est pour ça qu'à partir de là, Marx nous dit « La révolution communiste, elle n'aura pas lieu par hasard. Elle n'aura pas lieu parce que les gens veulent le communisme. La Commune de Paris est condamnée à mourir. Même si la Commune de Paris s'organise, alors vous avez les blanquistes, les néo-proudhonistes, etc. Si on s'organisait mieux, on va peut-être gagner. Mais non, on ne va pas gagner. On est dans un champ historique de développement du capital, et le capital, il en a encore pour 2 siècles. Donc, même si les communards sont 1000 fois plus héroïques, ils vont perdre, parce qu'on est dans une période d'essor historique. Et le capital, c'est quelque chose qui va s'effondrer à un degré donné, qui est positionné dans les manuscrits de 44, les Grundrisse et le capital, quand à un moment donné, la contradiction entre le profit, la masse, le taux, la saturation des marchés, le crédit chimérique, fait que le capital ne va pas se reproduire et ne va pas pouvoir reproduire sa reproduction. C'est ce que nous rencontrons dans le coronavirus. Alors Marx, dans les Grundrisse, il n'a pas dit coronavirus 2019, mais il a mis en perspective une situation objective qui fait que c'est seulement maintenant que le capital est rentré dans une phase de ce qu'il appelle l'auto-invalidation. Et il l'a fait parce qu'il y a la phénoménologie de l'esprit qui conduit à la science de la logique. Autrement dit, comprendre l'histoire, ce n'est pas bricoler à partir de 4 ou 5 théoriciens. Alors, un peu de Platon, un peu de Proudhon. Alors, je fais mon cocktail, et puis dans mon narcissisme de regard sur le monde, ça y est, j'ai mon microscope électronique. Non, ce qui en dernière instance nous donne la solution, c'est la lutte de classe objective du mouvement réel telle qu'elle a été théorisée, perçue, positionnée dans la Première Internationale. Mais c'est vrai qu'on ne rentre pas comme ça dans Hegel, hein, c'est difficile. Mais j'avais commencé par je me souviens un peu du titre, celui qui est lié justement à l'histoire. C'est l'histoire, quel est le titre déjà du livre d'Hegel ? C'est peut-être La raison dans l'histoire. La raison dans l'histoire, c'est celui-ci. Alors, La raison dans l'histoire n'est pas un ouvrage d'Hegel, ce sont des notes de ses élèves. Oui, c'est vrai, je me rappelle, il y a un prologue, je crois, qui parle de la chose. Oui, c'est vrai, c'était une compilation. Lui, il a écrit leçon sur la philosophie de l'histoire. Si. Et on a créé La raison dans l'histoire à partir des notes de ses élèves. Mais c'est intéressant. Mais c'est des notes de ses élèves. Je crois même qu'il y a des propos des élèves eux-mêmes dedans, il me semble. Mais je l'ai lu il y a quelques années déjà, ça remonte. Bah, je voulais en venir aussi à Guy Debord. Hein, c'est important, Guy Debord. Alors, qui c'est Guy Debord exactement? Je crois qu'il était au Beaux-Arts lui aussi. Hein, il sortait. Il me semble alors, qu'il sortait. Qui est Guy Debord? Alors là, il y a une aiguille qui se met à battre dans tous les sens. Parce qu'il y a deux Guy Debord. Il y a le Guy Debord dont nous parlent les médias de la mystification, et il y a le Guy Debord réel.
Si les gens veulent vraiment savoir qui est Guy Debord, qu'ils aillent sur le site de Guerre de Classe. Mmh. Il y a un texte très intéressant de Pierre Guillaume, qui était donc le fondateur de la Vieille Taupe, qui nous raconte le vrai Guy Debord. Alors, Guy Debord a rencontré les lettristes à un moment donné, et effectivement, contre toutes les mythologies néo-artistiques à la surréaliste qui voulaient produire un art révolutionnaire, il a compris que l'art est contre-révolutionnaire par essence et que dans la communauté humaine, si nous aurons des émergences musicales, picturales, jouissives, elles seront anti-artistiques parce que justement, l'art est la fétichisation de notre aliénation. Donc, il a fait une critique radicale de ça. Alors, aujourd'hui, il y a deux Guy Debord. Il y a un Guy Debord aseptisé, neutralisé, publié par les éditions Gallimard en production industrielle. Puis, il y a le vrai Guy Debord. Guy Debord, c'est pas l'international lettriste dépassé. Guy Debord, c'est Pouvoir ouvrier, c'est Pierre Guillaume, c'est la radicalité du prolétariat combattant. Mais comment il en est venu à écrire ce texte de la Société du spectacle ? Il l'a écrit. Alors, il l'a écrit d'abord parce que… C'est un ovni, hein, quand même. Hein. Alors, c'est pas un texte qui sort de sa tête. Si vous prenez les groupes radicaux de l'époque, c'est un bain collectif. Tout le monde reprend la section 1 du Capital sur le fétichisme de la marchandise. Le concept de spectacle, il est dans Marx, dans la première section du livre 1 du Capital, quand Marx dit « le fétichisme de la marchandise, c'est fait spectacle ». Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les gauchistes, trotskistes, maoïstes, tous les althusseriens dégénérés, des microclimats putréfiés de la rue d'Ulm, me disaient « si vous lisez le Capital, ne lisez pas la section 1. » Parce que la section 1, c'est le missile. C'est le fétichisme de la marchandise. Donc, tous les groupes, tous les bains de culture tumultueux radicaux, au contraire, se sont dit, il y a dans cette section 1 quelque chose d'essentiel. Le capital, aujourd'hui, c'est fait représentation pathologique. Parce que le grand travail de Marx dans le sixième chapitre du Capital, c'est de montrer que le capital n'existe pas dans une forme univoque. Le capital a eu deux temporalités. Le capital a une temporalité avant 14, où il gère la société en s'appuyant sur son antériorité. Et à partir de 1914, le grand conflit impérialiste de la crise de 14, il dissout son antériorité, il devient lui-même. On voit bien que la morale de l'épargne du 19e siècle n'est pas la morale de consommation effrénée des années 60. Le libre-échangisme sexuel des années 80 n'est pas la morale puritaine des années 1880. Il y a donc deux temporalités capitalistiques. Il y a la temporalité de l'accumulation primitive tant que le capital n'est pas lui-même, il s'appuie sur les modes de production antérieurs et c'est seulement en 1914, quand il devient lui-même, qu'il abolit non seulement les modes de production antérieurs, mais toutes les compositions artistiques antérieures, le surgissement de l'art abstrait contemporain comme forme d'équivalence centrale abstraite de l'équivalence générale marchandise. Il est possible qu'après 14, l'abolition de l'impressionnisme qui devient expressionnisme, la musique conceptuelle, toutes les merdes contemporaines, ça n'a aucun rapport avec Berlioz et ça n'a aucun rapport avec Camille Saint-Saëns ou Ravel. Donc il y a bien eu deux capitales. Il y a un capital d'avant 14 et un capital d'après. D'ailleurs, tous les gens qui aujourd'hui vous parlent du capital et qui vous parlent de la bourgeoisie n'ont rien compris. Tout le travail de Marx consiste à montrer que la bourgeoisie, c'est ce qui supporte le capital dans sa phase d'immaturité d'avant 14. Mais qu'à partir de 14, la bourgeoisie est supprimée par une classe nouvelle qui s'appelle la classe capitaliste. Tout le travail de Marx est de montrer que le capital, quand il devient lui-même en 1914,
il crée cette classe capitaliste anonyme, impersonnelle, qui n'a rien à voir avec la bourgeoisie de la domination formelle. C'est pour ça qu'il détruit l'esthétisme. Tout bouge. En domination formelle, la bourgeoisie détient les moyens de production. En domination réelle, les moyens de production détiennent la classe capitaliste. Aujourd'hui, les grandes entreprises ne sont plus dirigées par des bourgeois. Tous ces gens qui vous disent la bourgeoisie, la bourgeoisie, la bourgeoisie, d'une part, ils n'ont pas lu Marx et ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, les entreprises sont gérées par des conseils d'administration irresponsables qui renvoient à la cybernétique anonyme du capital. La famille Michelin, c'est fini. La famille Renault, c'est fini. Les 200 familles, c'est fini. L'idée qu'il y aurait aujourd'hui des bourgeois qui dirigent le monde, c'est ne rien comprendre à ce que Marx a montré dans le sixième chapitre, la classe capitaliste anonyme et transmondialiste. Il n'y a plus de bourgeois. Aujourd'hui, la classe capitaliste ne détient pas les rapports de production. Du jour au lendemain, le mec qui dirigeait Vivendi, on le fout à la poubelle. Ce qu'on avait vu avec Steve Jobs, qui était proprement créateur de Apple et qui s'est fait foutre dehors après, qui a été recréé autre chose et qui est revenu. Voilà. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que si je n'utilise pas les bons concepts, si je ne comprends pas les bonnes rationalités, si je ne saisis pas les bonnes déterminations historiques, je ne comprends rien. Si je parle de bourgeoisie en 2020, j'ai un siècle de retard. Si je lis le sixième chapitre de Charles Marx écrit en 1868, il m'explique très bien qu'à partir des années 1910-1915, le capital va liquider sa bourgeoisie. Aujourd'hui, le capital, ce n'est pas la bourgeoisie, c'est le capital collectif de la valeur d'échange avec des conseils d'administration irresponsables. C'est la cybernétique du capital. C'est pareil, toute la problématique de la robotique, de l'ingénierie, elle est dans le sixième chapitre sur la cybernétique du capital. Il n'y a pas d'ingénierie sociale, il y a une ingénierie sociale de la cybernétique du capital. Il n'y a pas de mondialisme, il y a le mondialisme de la marchandise. Et on en revient toujours à ce truc. Si je ne lis pas Marx, je ne comprends rien. Et si je ne comprends rien, au bout du bout, qu'est-ce que je fais ? Ben, je prends le capital et je veux le remettre à l'envers. Je veux une économie sans usure. Je veux une politique sans malfrats. Je veux une bourse sans déliquescence. Mais ce que je veux, c'est débile. Marx l'a déjà montré en 1847 par rapport à Proudhon. Ça n'existe pas, un capitalisme propre. Comment faire table rase alors ? Ah ben, de manière radicale. Ce n'est pas les intellectuels qui vont faire table rase, parce que tous les intellectuels sont une imposture qui fait perdre du temps au prolétariat. Donc, ça fait un mouvement communiste, quand on va dire. Quand le prolétariat s'insurge, il ne vient pas chercher un cahier carandache où on lui a donné les bonnes mesures parce que des intellectuels intelligents lui ont préparé le boulot. Dans sa spontanéité tripale, dans sa sagesse ontologique des longues durées, il rétablit les communaux ancestraux de l'être générique. En 1871, les plus radicaux sont ceux qui s'opposent à toutes les sectes. En 1968, les ouvriers les plus radicaux s'opposent à toutes les sectes. Abat les sectes, abat les chefferies, abat les commandements, abat les appareils, abat les partis, abat les syndicats. Et on en revient à l'automouvement du prolétariat. L'émancipation du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même contre tous les chefs, contre tous les partis, contre tous les États, contre tous les syndicats, contre toutes les chapelles. Très bien. Le chouchou, Orwell, hommage à la Catalogne. Alors ça, c'est quelque chose de fantasmatique. Fantasmatique pour l'ordre aliénatoire contemporain, et c'est quelque chose de décisif pour la pensée radicale. Personne ne comprend rien à Orwell. Les gens s'imaginent que Orwell écrit un roman de science-fiction. Alors, il y a Huxley, il y a Orwell. Orwell, il est génial, il a compris qu'un jour, on allait vouloir nous régenter. Et alors, tout le monde est là avec sa petite peinture. Ah, Orwell, il a bien prévu l'horreur du temps contemporain. Oui, puis ça y va, hein. C'est très narcissique. Hein. Oui, moi j'ai lu 84, mais en fait tout le monde a lu 84 en vérité. Ou ne l'a pas lu, mais elle répète. C'est pas du tout ça. 1984 n'est pas un roman d'anticipation.
c'est une œuvre de critique sociale qui fait synthèse dialectique et historique de Hommage à la Catalogne. Orwell, en 1937, à Barcelone, a vu le surgissement révolutionnaire du prolétariat pour l'abolition de l'État, pour l'abolition de l'argent, et là, ce n'est pas quelques petites collectivités, c'est des régions entières du pays de Valence et d'Aragon. La CNT est débordée, le POUM est débordé, des centaines de villages et d'usines sont collectivisés dans une rupture radicale avec l'argent et l'État. Le communisme revient dans sa vérité réelle. Et qu'est-ce qui se passe ? Les ministres de la CNT, le POUM, les staliniens et les démocrates mettent en marche une gigantesque compression policière de répression pour écraser ce truc-là. Et Orwell voit la différence entre le terrain et la retranscription écrite. C'est-à-dire qu'on explique que les prolétaires barricadiers qui abolissent l'argent et qui abolissent l'État sont des complices de Franco et que c'est la cinquième colonne du camp franquiste. C'est-à-dire que le camp démocrate républicain de gauche avec les trotskos, les anards, les staliniens, les démocrates, vont au moment où les prolétaires prennent d'assaut le central téléphonique en disant « Vive le communisme, à bas l'argent, à bas les gouvernements, à bas les ministres », on va les désarmer, on va les mettre dans des camps, on va les massacrer. Et Orwell constate que toute la presse occidentale et la presse de Barcelone et la presse de Madrid font passer les prolétaires révolutionnaires pour des fachos, comme d'ailleurs à Kronstadt, Trotsky avait fait passer les marins insurrectionnels pour des gardes blancs. On a déjà quelque part le préambule de ce qui va se passer au moment des Gilets jaunes. Il y a toujours les mêmes mécaniques. Voilà, les Gilets jaunes, c'est des fachos. C'est-à-dire que Orwell a compris la diabolisation pathologique du spectacle de la marchandise. Et on est en 37. On est en 37. Et il va se poser la même position par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Toute cette mythologie qui va naître à Nuremberg. Il faut comprendre le surgissement du rapport social. Les prolétaires reviennent du premier charnier mondial en disant plus jamais ça. Le premier charnier mondial, c'est abominable. Il y a des insurrections en Allemagne, en France, en Hongrie. Partout, le prolétariat dit « mais c'est pas possible ce qu'on nous a fait faire. Il faut créer un monde nouveau. Cette guerre de 14, cette boucherie capitaliste, elle est insupportable. » Grâce à ce que voit Orwell en 37, la mythologie antifasciste, on voit la mythologie antifasciste de Nuremberg et on voit ce qui résulte de 45. Les gens reviennent de 45 en disant « ah ben, on a bien fait d'y aller, hein, parce qu'il y avait vraiment un camp qui était beaucoup plus salaud que l'autre. » On a désarmé la dynamique sociale offensive de 17. Les prolétaires reviennent de 17 en disant « on s'insurge, ce qu'on a fait est ignoble, ce qu'on nous a fait faire est ignoble. » Grâce à Orwell, Hommage à la Catalogne, 84, tribunal de Nuremberg, les gens reviennent en disant en 45 bah, « finalement, on n'a pas fait la guerre pour le capital, pour qu'il écoule sa surproduction, comme il l'avait compris en 14-18. En 14-18, la guerre, ce n'est pas parce qu'il y a du nationalisme, c'est parce qu'il y a une crise de surproduction capitaliste et que la guerre va permettre le repartage des marchés et la destruction de la surproduction. C'est pareil pour 39-45. Mais les gens reviennent grâce à la mythologie antifasciste en se disant ben « non, là, c'était une guerre capitaliste différente. » C'est-à-dire que tout le monde accepte cette guerre de 39-45. Et c'est pour ça que les groupes radicaux communistes comme Bilan, comme Pouvoir ouvrier, comme la vieille taupe, ont toujours dit le grand mythe fondateur du XXe siècle, c'est l'antifascisme, c'est la religion du capital qui a permis d'embrigader le prolétariat dans le grand carnage, et le mythe, le grand mythe capitaliste du XXIe siècle, qui est l'enfant de l'antifascisme, ben c'est l'antiracisme. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de ne pas se poser la question historique de la lutte des classes et du grand remplacement ? C'est l'antiracisme, digne héritier de l'antifascisme. Mais pour comprendre tout ça, c'est la même chose. Si je ne saisis pas Marx, et si je,
Marx, le livre premier, la septième section, le chapitre 25, le grand remplacement, c'est Marx. C'est pas Toto Bidule, c'est Charles Marx en 1868. L'antiracisme, l'antifascisme, religion du capital pour casser la lutte des classes. Et là, on y est encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crise du coronavirus, le grand mensonge étatique, le grand mensonge financier, le grand mensonge bancaire, le grand mensonge sanitaire, tout va s'effondrer. Le capital ne peut pas redémarrer. Alors, c'est très compliqué, les Grundrisse, le capital. J'engage vos auditeurs à aller voir ce que nous avons mis sur le site de Guerre de Classe. Je vais les mettre en lien dans la description, de toute façon. Le capital ne peut pas s'en sortir. Ça va péter. Donc, la seule solution pour le capital, pour empêcher la guerre de classe, c'est la guerre de race. Donc, on nous planifie la guerre de race, parce que la guerre de race, au bout de la guerre de race, le capital est vivant. C'est ce qui s'est passé au sortir du premier confinement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On n'était pas censé faire des manifestations et boum, on a eu ces manifestations avec l'antiracisme et compagnie. Et ça a été, on a laissé faire. Vous voyez, parce qu'il avait peut-être peur au sortir de ce premier confinement qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une espèce d'émulation qui commence à se faire et que les gens commencent à se soulever. Mais bon, ça s'est frappé, ça a été cassé par ce genre de choses. Très, très rapidement, le surgissement du prolétariat… Il faut analyser en vérité. Hein, à travers les entreprises qui vont fermer, à travers les gilets jaunes qui vont renaître sous une nouvelle forme. On va avoir une gigantesque tempête sociale. Parce que là, on bute du gilet jaune, en vérité. Là, ce qui est en train de se passer, on est en train de tuer encore gilet jaune. C'est le restaurateur, c'est celui qui a une petite une PME. C'est ce qu'on est en train de faire. On le termine là. Là, on le termine. Et là, il pouvait se soulever. Donc, les gilets jaunes, moment ou jamais peut-être. Et alors là, ça va ressurgir. Mais le capital n'a plus rien pour empêcher cette lutte. La seule chose qui lui reste… La violence. Orwell… Et les mythologies antifascistes devenues les mythologies antiracistes, c'est-à-dire que le écolo-boboïsme, le LGBTisme, l'antiracisme, le sans-papierisme, c'est la seule mystification avec laquelle le capital peut empêcher la lutte de classe. Parce que la lutte de classe du prolétariat, elle contient l'abolition du capital. Les luttes des tribus, c'est le réaménagement sans fin des emplacements du capital. Donc le truc, il est simple et on en revient à Marx. Est-ce qu'on réaménage le capital dans la servitude infinie ou est-ce qu'on l'abolit dans cette communion des hommes de l'être générique enfin émancipé? Et tout est là. On finit avec Balzac. Il nous reste aller un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'après je vais chercher les petits mouflets là. Donc j'ai pris L'Illusion perdue comme ça aurait pu être autre chose. Mais on avait parlé tout à l'heure de Balzac. On a même évoqué Georges Simenon ensuite. Parce qu'il y a un côté balzacien du XXe siècle. Alors, Balzac, comment vous le voyez? Comment vous le positionnez, Balzac? Alors, je repartirai sur ce qu'on a dit tout à l'heure à partir du néolithique. L'écriture est une aliénation. Mais à un moment donné, l'écriture, dans sa floraison, même aliénatoire, est tellement riche qu'elle devient la capacité d'un renversement et donc d'une contre-contre-révolution qui fait surgissement révolutionnaire. La comédie humaine, Marx en parle souvent, elle est prodigieuse, la comédie humaine. Alors, il faut comprendre pourquoi le roman naît au XIXe siècle. Alors, le roman naît au XIXe siècle dans sa forme la plus déployée, mais il existe bien évidemment antérieurement. Mais pourquoi naît-il dans sa forme la plus déployée au XIXe siècle? On en revient à la philosophie de l'esprit, à la phénoménologie, on en revient à la Révolution française et on en revient au surgissement de cette modernité du XIXe siècle. Le XIXe siècle a fait surgir le sujet autonome. Le sujet autonome. Mais le sujet autonome, traumatisé par cette séquence historique qui mène de l'Empire napoléonien à la Restauration. Rappelez-vous ce que dit Stendhal qui était à la bataille de Waterloo. Et il était à la bataille de Waterloo, il l'entendait, mais il ne la voyait pas. Et c'est pareil pour de Musset, c'est pareil pour de Vigny. Nous sommes les enfants de l'Empire, et lorsque la Restauration s'est formulée,
et qu'elle a produit le grand essor de l'époque romantique, nous sommes les orphelins du tumulte de l'histoire. Le congrès de Vienne, la stabilisation européenne et le grand ennui. Le grand ennui. La grande épopée napoléonienne hegélienne s'est terminée. L'Europe s'est stabilisée dans le congrès de Vienne et on est coincé entre la propriété, le mariage, le notaire, l'adultère, l'ennui, la mort, la maladie. La vie devient horizontale. La vie devient horizontale. Alors, elle devient horizontale, elle est triste, mais elle est riche. Parce que quand le génie se confronte à l'horizontalité, il lui redonne de la verticalité. Et Stendhal, Balzac, De Vigny, c'est une période qui est d'une richesse incroyable en production culturelle livresque. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que de Berlioz à Saint-Saëns, on a tout ce qu'on appelle cette période musicale française intensive. Le 19e siècle est d'une richesse incroyable. Ah, c'est extraordinaire. Alors, il est d'une richesse, comme vous le dites, extraordinaire, parce que d'un seul coup, mais même politique, même de manière politique, c'est pas, on a tout eu en vérité. Châteaubriand, voilà, Châteaubriand. On revient à, comment dire, bon, les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est après, mais le génie du christianisme, tout ça, Atala, toutes ces belles choses, non, Châteaubriand, c'est exceptionnel. Alors, qui est parti dans les communautés primitives, d'ailleurs, lui aussi, chez les Sioux, quand il est parti. C'est magnifique ce passage des Mémoires d'Outre-Tombe. Ça, j'encourage nos auditeurs à se les taper. Il y a beaucoup de volume et à plonger dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, là, on en revient encore au déterminisme. C'est ce que Hegel et Marx nous permettent de comprendre. 1815 n'est pas simplement une défaite militaire. 1815, c'est le moment, on peut dire que c'est le moment où la France sort de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir de 1815, la France n'aura plus d'histoire autonome. Elle sera confisquée par l'impérialisme de la City. La guerre de Crimée, on va la faire pour l'Angleterre. La guerre franco-allemande, on va la faire pour l'Angleterre. Et même la guerre de 14, on la fera pour la City. Et Napoléon même la guerre III était complètement soumis. Et Napoléon III, sa politique était comme ça. Donc, il n'y a plus d'ardeur historique. La France se rétrécit dans une angoisse infinie. Et toute cette richesse de plumes, Balzac, Stendhal, Vigny, Benjamin Husserl, Constant, Chateaubriand, Flaubert. Ah, mais Flaubert, splendide. Bon, on ne peut pas comprendre ça si on ne comprend pas que c'est une allégorie, que c'est une transmutation entre l'histoire de l'universel et l'histoire de la particularité et une gigantesque alchimie qui métamorphose l'histoire française. Et alors, c'est quelque chose d'infiniment riche, parce que ce qui a produit les ouvriers typographes de la Commune de Paris, ce qui a produit cette intelligence subversive de 1871, c'est cette sève culturelle qui, même quand elle était réactionnaire comme Flaubert, Pécuchet, c'est pas radical, mais dans Pécuchet, il y a une sensualité, il y a du goût, il y a de la saveur. C'est-à-dire que la France, au XIXe siècle, a su créer un goût qui, même quand il était réactionnaire, était producteur de révolution. Il y a une telle puissance de saveur et de culture dans la littérature du XIXe siècle que quand elle est réactionnaire, elle n'est pas que cela. Elle ouvre des portes à l'infini vers son auto-abolition révolutionnaire. Et on n'a jamais vu une période historique avec autant de richesses d'écriture. Et c'est d'ailleurs pour ça, que dans le même temps où la modernité de la géographie du capital a voulu nous faire sortir de l'histoire en nous racontant des chronologies historiques débiles qui font sortir Napoléon, Louis XIV, Jeanne d'Arc de l'histoire, parce que même dans cette histoire-là, il y a de la révolution dangereuse pour le communard de demain, on a tué les lettres. On a tué les lettres. Moi, dans les années 70, nous étions des milliers à faire du latin et du grec. C'est fini. Nous étions des milliers et des milliers
à travailler non seulement Corneille et Racine, mais Balzac et Stendhal, Flaubert et Musset. C'est fini. Oh, c'est si fini. Je vais aujourd'hui dans un collège de ZEP, on va me donner, qu'est-ce qu'on va me donner? On va me donner le journal d'Anne Frank. Alors, il y a eu ça, il y a eu Anne Will avec son, comment ça s'appelle déjà? C'est une de ses pièces de théâtre, là, Anne Will. Je me souviens plus. Ou sinon, au début des années 80, on avait encore Michel Tournier, mais Michel Tournier, il y avait quand même quelque chose dans Vendredi ou la Vie. Il y avait encore un peu, mais même là, c'était trop. Qui était quand même grillé, hein, celle-ci. Hein. Enfin, il faut avoir un mot de con pour pas le voir. Mais aujourd'hui, non, moi c'est moi qui donne à ma fille enfin ce qu'il faut lire, hein, c'est du Bernanos, du Jules Verne, enfin des choses qui puissent la transcender. Mais à l'école, non, il y a c'est que de l'idéologie. Même vous parliez de latin, la mienne fait du latin, mais durant les cours de latin, on fait que de l'idéologie, on fait pas de latin. Si vous voulez que je vous dise. C'est plus mais même tous les cours ne sont pas des cours de sciences ou des cours de latin, ce sont des cours de sciences au service de l'idéologie. C'est tout. Mais alors là, si vous voulez, si vous me le permettez, un tout petit aparté, faut bien que les auditeurs qui vont nous écouter comprennent que c'est pas la culture de l'homme blanc qu'on veut faire disparaître. C'est pas la culture de l'homme français qu'on veut faire disparaître. C'est pas la culture de l'homme européen. Parce que si l'homme blanc, l'homme européen, l'homme français était simplement un abruti capable d'envoyer sa fille faire des études de droit des affaires et son fils des études de droit commercial international, il n'y aurait pas cette entreprise de dévastation systématique. C'est parce qu'au bout de cette culture, il y a le communard. Les gens ne comprennent pas la cible. Ils ont compris qu'on tire là-dessus, mais ils n'ont pas compris que quand on tire là-dessus, la cible, elle est beaucoup plus précise. C'est le communard européen. Je me souviens de manifs PMA-GPA, puisque j'habitais dans le 15e et que j'étais pas loin de l'école militaire, je voyais des bonnes familles françaises qui défilaient en disant « Oh, la GPA, c'est horrible. Oh, la PMA, c'est horrible. » Je disais « Qu'est-ce que fait votre fille ?»« Ah, ma fille, elle est à HEC. Et votre fils ?»« Ah, mon fils, il est avocat international. » Je disais « Mais alors, vous avez rien compris. » Vous voudriez qu'il y ait des études d'avocat international et de HEC qui ne conduisent pas au triomphe de la marchandise et donc à la PMA et à la GPA. Vous êtes des cons, vous n'avez rien compris. Vous voulez la marchandise sans les effets de la marchandise. Puisque vous aimez la marchandise, vous aurez les effets de la marchandise. Vous aurez la PMA et la GPA. Donc, la cible du capital aujourd'hui, le mondialisme de la marchandise, l'archéo tradit qui va à Saint-Nicolas du Chardonnay avec son loden vert et qui défend Saint-Pidis, mais le capital s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est derrière les gilets jaunes, le communard, la grève sauvage et l'insurrection européenne du prolétariat. Donc tous ces gens tradis, tous ces tradis qui disent « Oh, c'est horrible, on nous détruit notre France », d'abord, ils n'ont pas compris que cette France, on l'a détruite depuis Philippe le Bel, parce que la valeur d'échange totalitaire de la marchandise, avec Nogaret et Enguerrand de Marigny, elle a commencé bien avant 1789 et les loges maçonniques du capital. C'est la monarchie qui a donné pouvoir à la valeur d'échange pour casser les féodalités. Donc les gens qui disent « avant c'était mieux », oui, avant c'était mieux, mais c'est avant qu'on a donné le pouvoir, à demain c'était pire. Donc, il faut vraiment avoir une vision historique globale telle que Hegel et Marx l'ont eue. Le capital n'a qu'un seul et unique ennemi, c'est le communard révolutionnaire de 1871 et c'est l'ouvrier prolétaire de la grève sauvage de 68 qui dit « merde à Cohn-Bendit, merde à Georges Séguy et merde à Attali ». Il ne faut pas se tromper de cible. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Et tous ces gens qui voient mourir autour d'eux cette France qu'ils aimaient, ils ne comprennent rien ou pourquoi elle meurt. 5 petites minutes, puisqu'on en avait parlé ensemble avant, c'était Simenon, hein. On parlait, et c'est une espèce de sorte de comédie humaine. Moi, vous le voyez, Simenon aussi, c'est, il a réussi alors, un peu à. Alors, il faut que je vous dise une vérité. Allez. J'essaye de ne jamais mentir, donc je ne lis pas de romans depuis très longtemps. Je suis dans le concept, la science de la logique, Hegel, Marx, je veux dire, je,
J'ai lu Le Capital au moins 10 fois, Les Grundrisse au moins 10 fois, mais j'ai une compagne qui est férue de Simenon. Et donc, alors, je n'ai pas lu les Simenon, mais elle me les lit, parce qu'elle est tellement… Et alors, il y a des moments où elle me lit des passages, en particulier le Maigret classique écrit, et c'est vrai que c'est prodigieux. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, on pourrait dire sous une forme allégorique que Simenon, c'est un autre Balzac du siècle oui, suivant. C'est ce qui est dit, c'est une sorte de, il a fait une sorte de comédie humaine sans vouloir la faire réellement, c'est-à-dire il a produit, mais c'était ça, vous avez, comment on appelle, une espèce de panel de personnages différents, mais avec toujours des réflexes, des lieux, toujours les mêmes, les canaux, le Benelux, la France, les trains, les pensions, beaucoup ça se passe dans les hôtels, c'est toujours, ça se passe toujours dans des lieux comme ça, mais avec des classes différentes, des degrés, des couches de société différentes, c'est prodigieux. Et alors justement, et parce que j'en parlais avec ma compagne, on retrouve le cheminement de Marx dont nous parlions tout à l'heure dans les manuscrits de 44 sur qu'est-ce qu'un crime ? Le crime, c'est la logique appropriative. C'est-à-dire que pourquoi je tue dans Simenon ? Je tue pour une appropriation matérielle ou pour une appropriation symbolique ? C'est-à-dire, je tue parce qu'on va s'emparer d'une partie de mon quantum marchand, ou je tue parce que je vais perdre du quantum affectif névrotique. Et ça, on le voit terriblement bien. C'est-à-dire que chez Simenon, on a quelque part les manuscrits de 44 mis en positionnement. Qu'est-ce qu'un meurtrier ? C'est quelqu'un qui est dans l'appropriation matérielle ou symbolique, et qui vit un vol de son cheminement aliénatoire appropriatif et qui ne peut pas l'accepter, et il tue pour se réapproprier symboliquement ou matériellement la pratique aliénatoire de son existence déchirée. Très bien. Je vais vous dire qu'ainsi s'achève notre petite émission, notre discussion plutôt, on va dire. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Et on essaie de se retrouver, comme on se l'est dit, dans le Vexin normand d'ici le mois. Oui. Alors là, moi, je pense que j'y serai à partir de la fin juin. Eh bien, ça peut comprendre. Et je vous tiendrai au courant. Je vous emmènerai à la pêche. On fera une émission autour des cannes à pêche. Alors qu'est-ce que vous pêchez là-bas ? Eh bien, je fais de la perche essentiellement. Il y a le brochet, j'arrive pas à l'avoir, mais bon, j'ai de la pêche au leurre, et puis mes enfants font de la pêche au leurre. Et alors, la perche, vous la prenez, vous la mangez ou vous la remettez ? Ah non, moi, je la remets pas, je la mange. Parce que moi, j'ai des pêcheurs. Si elle est petite, je la rejette. Si elle est grande, j'en avais fait, ma fille pêche aussi, on a fait quand même des choses de 30-35 cm, des belles choses. On avait sorti 6 et on a mangé ça, on a fait des filets, j'en ai donné à mon voisin, ce genre de choses. Et puis, je vous montrerai mon potager. Alors, compte tenu de l'état de la Seine, je ne le fais pas dans la Seine. Bah, remarquez, c'est de l'eau qui vient un peu de la Seine parce qu'elle déborde. Mais je pêche cela dans des petits étangs à proximité. Et l'eau est pure ? Jamais pure, mais… Vous n'avez jamais été très malade ? J'ai jamais été malade. Oui, les écrevisses. Les écrevisses, je vais les chercher à la main. Elles ne viennent pas dans les tambours. Alors, une croquette de chien par-ci, par-là, vous voyez une pince sortir, hop, on les attrape et puis voilà. Bon, je vous retiens pas parce que je veux pas que vous les abandonniez dans ces zones incertaines. Eh bien, au revoir Francis, et puis on se dit… Ça m'a fait très plaisir. À très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. De même. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bonheur infini pour vous et tous les vôtres. Eh bien, de même pour vous. À très bientôt Francis, on se tient au courant. À bientôt. Oui, au revoir.